Nous comptons saluer et c'est un plaisir pour nous porter une vidéo ça pour vous. Alors, vidéo aujourd'hui est extrêmement important. Nous pourrons enseigner comment pour chercher travail en anglais. Alors, bien entendu, la recherche de travail il y a plusieurs étapes. Et étape qui est plus importante, c'est passer interview. Parce que des fois, on qualifie pour travail là, mais on pas qu'à passer interview. Ok? Des fois, on qualifie pour job là, mais on pas qu'à faire un job là parce que ou pas qu'on est qui vient pour passer. Qui j'en pour répondre question yo lè ou aller dans interview a. Alors c'est ça qui fait importance vidéo jodi a. Nous espérons que vous appréciez le son an, et nous espérons que vous partagez, commentez pour dire nous côté vous suivre nous et qui ça ta remet pour nous porter pour vous en plus. Pas blé nous pas me teacher Victor. Moi là pour moi aider ou atteindre objectif ou yo qui c'est parler anglais et chercher travail dans langue anglais. Alors without further ado, let's get started. Sans pas perdre du temps, on commence. As I told you, j'ai même dit là, I'm gonna teach you top 10 words to describe yourself in a job interview. On va enseigner 10 mots qui sont extrêmement importants pour décrire tout, pour parler de tout, les va chercher un travail. OK, les va passer interview. Alors nous espérons que leçon ça lui vraiment aider. Alors the first one is team player. Pas gen aucun manager qui va chercher un team player. Qui ça team player veut dire en créole? Ou son monde qui compte travaille en équipe. Parce que dans la vie, quel soit ça qui va faire, si vous faites un cavalier seul, les synonymes d'échec. Ça veut dire, vous avez échoué, vous pas arrivé pour corps. No man is an island. Pas gen monde qui est capable de vivre lui-même seul. Vous avez toujours besoin de bois pour appuyer, yon monde pour aider. Alors c'est ça team player a une importance li parce que là on dit manager I am a team player, ça veut dire c'est un monde qui compte travail en équipe, qui compte collaborer. OK, I am a team player, kembe mo ça li extrêmement important là on passe une interview, les monde qui pose une question dit could you describe yourself, est-ce que capable décrire tout? Eh bien là on dit I am a team player, mo ça li vraiment lourd et li vraiment important. Ça veut dire qu'on qui travaille en équipe. The second one, deuxième nom, c'est self-motivated. Self-motivated. Qui ça self-motivated, vous voulez dire en créole? Ou si un monde qui n'a pas besoin de monde camper derrière. L'offre de job là, ou si un monde qui est capable, qui a une motivation personnelle. Ok? Ou a une motivation personnelle, ou si un monde qui n'a pas peur affronter, même si nous voulons travailler là, ou si un monde qui est capable surmonter. Bien facile. Eh bien, moi qui décrit ça, ou même qui a une qualité comme ça, le wall dans job interview. Ok? Ou dit ou c'est un self-motivated person, ou c'est un monde qui, on nous dit, presque gagne un travail, parce que tout manager a cherché un monde qui self-motivated. The third one is, troisième nom, c'est multitasker. Qui ça multitasker, vous dit? En bon créole, c'est un monde qui multitâche. Ça veut dire que c'est un monde qui est capable de faire plusieurs travails à la fois. Ok? Ou c'est un monde qui multitâche. Ok? Alors, tant que moi, c'est un monde qui multitâche parce que moi, je m'enseigne en anglais, je suis capable d'enseigner en espagnol. Tout. Ok? Je peux enseigner bien l'idioma espagnol. Ça veut dire que c'est un monde qui multitâche. Eh bien, là, ou du manager qui est un monde qui multitâche, ça veut dire que c'est un monde qui est capable d'occuper, qui est capable de gérer plusieurs fonctions à la fois. Multitasker. The fourth one is result driven. Result driven. Pas de manager qui va chercher un monde qui result driven. Qui ça result driven en anglais en créole? Ou si un monde qui est capable de bailler résultat. Ok? Une fois que vous embauchez, ou capable de bailler résultat. Ou si un monde qui peut aider compagnie, qui peut aider business là, augmenter bénéfice li. Ok? Tout manager a cherché un monde qui result driven. OK, the fifth one is supportive. Supportive. Qui ça supportive veut dire c'est un monde qui est capable supporter, qui est capable aider l'autre monde. OK, ou c'est un monde qui est capable collaborer avec l'autre monde. OK, qui va bailler support avec l'autre monde, ou c'est un monde qui supportive. I am supportive, mais c'est un monde qui est capable supporter, qui est capable collaborer, qui est capable aider l'autre monde. The sixth one is trustworthy. Trustworthy, c'est un monde qui est capable de faire confiance. Ok? I am trustworthy.
Moi, c'est un monde qui est capable de faire confiance. Trustworthy. Moi, c'est un monde qui est capable de faire confiance. Ok, let's keep on. On a continué. Nous gagnons frugal. Frugal. Pas tout manager a cherché un employé qui frugal. Frugal, ça veut dire en créole, ou c'est un monde qui pral aider compagnie ou bien business là gérer entreprise là bien. Par exemple, si on travaille avec, si on bah un desktop pour travail, ou je desktop là bien, ça veut dire ou pas quitter desktop là, il y a un problème. Par exemple, on travaille avec un matériel ou protéger matériel là, ok, ou aider business là pour pas faire dépenses additionnelles, ok, ou c'est un monde qui frugal, ça veut dire ou c'est un monde qui rationnel dans dépenses, ou c'est un monde qui rationnel les va servir avec un bagage ou yon appareil ou gérer appareil là. Eh bien, ou même qui gagne un tempérament comme ça, c'est un monde qui frugal, frugal. OK? Resilient. Resilient, si c'est un monde qui resilient, ou c'est un monde qui cap résister en bas pression. Par exemple, gagne un travail et qui toujours gagne en pile pression, qui toujours gagne en pile activité, eh bien, tout pour des travail bas pression. Ça veut dire c'est un monde qui capable de travailler sous pression. Ça veut dire que c'est un monde qui résilient, qui dur, qui prêt pour travailler et qui capable de travailler, même les qui bagaille paraît difficile, paraît compliqué, ou capable sortir tête et ou capable de faire compagnie à joindre en pile bénéfice. Resilient. Resilient. Committed. Qui ça committed veut dire que c'est un monde qui engagé, OK? I am a committed person, moi c'est un qui engagé. Si ou bon travail là, si ou bon job là, moi capable prendre responsabilité pour aider business ou en li augmenter capital li. OK. The last one is technically astute. Technically astute, ça veut dire c'est un monde même là qui ou capable travailler dans business là mais ou gain connaissance technique. Par exemple, si yo ba travailler avec yon desktop, si desktop la ta gen ti problème technique, ou capable réparer sans problème, ça veut dire qu'on n'a pas besoin à le payer cob pour les capable réparer desktop là. Et bien ça qui fait tout manager a cherché un monde qui technically astute, avec un monde qui gagne de connaissances techniques, qui capable aider compagnie à faire un pile bénéfice. Alors, c'est les choses à déposer pour aujourd'hui là et nous pourrons faire un repasser sur yo. Et pour nous capables, bah, un bref résumé. Et nous gagnons team player, ou si on qui peut travailler en équipe, self-motivated, ou si on qui pas besoin de camper des dos, ou capable de beaucoup de temps jouer un travail là, ou capable de progresser, parce que ou si on qui a une motivation personnelle, multitasker, ou si on qui multitâche, result driven, ou si on qui est capable de bailler résultat, supportive, ou si on qui est capable de supporter et aider l'autre monde, trustworthy, trustworthy aussi un monde qui est capable de faire confiance. Et frugal aussi un monde qui capable de gérer business là pour faire business là faire plus bénéfice. Resilient aussi un monde qui capable de travailler bas pression, aussi un monde qui capable de travailler sous pression. Committed aussi un monde qui engagé, qui respecte mot. Technically astute aussi un monde qui a des connaissances techniques qui capable aider compagnie à pas faire dépenses additionnelles. Alors, nous espérons que les choses ont été vraiment utiles. Mettez un commentaire pour dire que vous sur nous. Et pas oublier, c'est une série de 50 vidéos que nous pour vous pour aider à chercher travail en anglais. Comment vous préparer l'interview? Qui ça pour dire que vous venez dans l'interview? Comment vous présenter? Eh bien, c'est toute série de vidéos que nous avons pour vous donner dans le moment pour aider à améliorer et comprendre l'anglais plus facile et chercher travail avec plus confiance. Alors, it was your teacher Victor. Nous espérons croiser dans l'autre vidéo cap plus belle, cap plus important et cap aider plus. Don't forget to share. Ciao.